Bonjour, on a le plaisir de vous accueillir ici. Nous sommes dans les locaux de l'UTBM, c'est l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, et particulièrement dans des bâtiments qui sont tout à fait symboliques pour aujourd'hui. Juste à côté, enfin cette tour n'en faisait pas partie, j'imagine, au début, mais nous sommes dans un bâtiment qui était un ancien bâtiment industriel où l'usine Bull occupait les lieux. Alors, c'est vraiment tout à fait symbolique pour aborder aujourd'hui ce thème, démocratie technique, autour d'un livre qui s'appelle Éléments de démocratie technique. Et je vais vous laisser, on va discuter de ce thème, on va écouter nos invités, discuter avec eux, les interpeller sur cette thématique, et je vais tout d'abord les laisser se présenter. Merci beaucoup. Donc pour ma part, Yves Lequin, agrégé d'histoire à l'UTBM. Donc Pierre Lamarre, enseignant-chercheur à l'UTBM, et je dirige le laboratoire Récit. Et nous sommes de vieux complices, hein, puisque j'expliquerai tout à l'heure que notre réflexion s'est enracinée il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, mais je reviendrai sur cette histoire. Moïse Assa, directeur adjoint du SCD. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'introduire la thématique de cette table ronde. Tout simplement en rappelant quelques faits ou quelques éléments qui ont mené à la genèse de la réflexion autour de la problématique de la démocratie technique. En effet, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est pétrie des fruits de l'activité des scientifiques et des industriels. Au fil des décennies des deux derniers siècles, la société s'est transformée profondément, aussi bien en ce qui concerne les environnements des êtres humains, mais aussi des écosystèmes. C'est la maxime, la science découvre, l'industrie applique et l'homme suit, qui a dominé la vision des technoscientifiques, au sens où technoscientifique, c'est l'agrégation des scientifiques et du monde industriel. Mais l'impact des technosciences sur la santé et les conditions de la vie a généré des préoccupations et des exigences de la société civile dans le monde industriel. Aujourd'hui, le caractère bénéfique de l'innovation technologique ne va pas de soi. La confiance des citoyens envers les institutions gestionnaires de ces questions était remise en cause. Le profane se préoccupe de plus en plus de son environnement et exige à donner son avis. En effet, toute la décision technique prise par les politiques s'appuyant sur la légitimité des savoirs scientifiques échappe aujourd'hui au débat démocratique. Aussi, la recherche académique s'est saisie de cette problématique et interroge fortement ses nouvelles relations à la science et de façon corrélée à la technoscience et à la place de la culture générale dans les formations à visée technique. Elle s'interroge sur comment peut s'organiser la communication entre les profanes et les experts technocrates et politiques, ces derniers étant accusés de décider sans tenir compte des intérêts des citoyens. Et ainsi est née la question ou le concept de démocratie technique. Comment les sociétés démocratiques peuvent-elles affronter les défis posés par le développement des sciences et techniques et les nuisances qui parfois les accompagnent? Comment définir les conditions d'exercice d'une démocratie technique qui s'écarterait du modèle fondé depuis les Lumières sur l'alliance des savants et des politiques? Ce sont ces questions qui vont jalonner le livre de nos collègues M. Lamarre et M. Lequin. C'est le filigrane des contributions des différents contributeurs à ce travail. Et je laisse la parole à M. Lamarre et à M. Lequin pour nous exposer l'essentiel de leurs travaux et de ceux qui ont contribué à cet ouvrage. Oui, qu'est-ce qui vous a amené à travailler là-dessus? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi cette thématique, hein, ça nous a interpellés. Voilà, à vous. Oui, alors, pour répondre à cette question, quelques éléments de contexte historique.
Yves et moi-même, nous avons commis un ouvrage en 2005 qui s'appelait « La technologie entre à l'université ». Alors, cet ouvrage était dédié à comprendre notre genèse, Université de technologie de Belfort-Montbéliard, qui est arrivée sur le territoire franc-comtois en 1985 et qui s'appelait à l'époque UTCS, qui est devenu IPC, Institut Polytechnique de Sévenan, puis UTBM avec le mariage avec l'École nationale d'ingénieurs de Belfort. Donc on voulait comprendre un petit peu ce cheminement et poser le décor de ce qu'est-ce qu'une université de technologie dans le paysage universitaire français. Et on s'est aperçu que les universités de technologie avaient un positionnement extrêmement particulier entre écoles d'ingénieurs et entre universités. C'était ni une université de type classique et académique, ni une école d'ingénieurs telle qu'elles existaient, au moins jusque les années 1970, à l'époque où l'Université de technologie de Compiègne s'est créée. Et puis, faisant œuvre d'historien, on s'est interrogé cette fois-ci plus profondément sur que pouvait être la technologie, que recouvrait le concept de technologie. Qu'est-ce que ça voulait dire, technologie, au sens français du terme, non pas au sens anglo-saxon. Et donc, nous avons progressivement, au-delà de la publication de cet ouvrage qui commémorait 20 ans d'activité d'enseignement technologique supérieur dans le Nord-Franche-Comté, nous avons donc continué à réfléchir et petit à petit aborder la notion de démocratie technique. Alors, cet ouvrage n'a pas de prétention théorique. Hein, notre cheminement intellectuel n'est encore pas là. Comme disent les philosophes, on n'est encore pas dans la remontée en généralité. On a d'abord voulu fournir des éléments de réflexion à partir d'une réalité de terrain. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de démocratie technique, qu'est-ce que ça veut dire dans deux mondes, dans le monde du travail d'une part et dans le monde de la formation? Alors on expliquera après pourquoi le monde de la formation a une importance considérable et vous le verrez pourquoi. Et puis de cette réalité de terrain, on l'a confrontée à une réflexion plus de construction de connaissances, une réflexion dite épistémologique, pour voir un petit peu aujourd'hui où en est cette réalité sur le plan conceptuel. Donc voilà la genèse de notre parcours, en termes de publication. Alors, nous n'avons pas la prétention tous les deux de maîtriser le concept des démocraties techniques. Nous avons plutôt la prétention de susciter des questionnements. Et nous avions organisé au printemps 2014, au congrès de la Société française d'histoire et des techniques à Lyon, une session complète qui allait traiter de ces éléments de démocratie technique. Et c'est le fruit de cette réflexion, puisqu'il y avait à peu près une douzaine de participants à cette session de questionnement, auxquels se sont agrégés plus tard d'autres auteurs, et qui a donné donc naissance à cet ouvrage, publié donc au pôle éditorial de l'UTBM, parce que, là encore, c'est rare dans une université de technologie, nous sommes la seule université des trois universités de technologie à avoir un pôle éditorial. Voilà, donc il y a quand même, vous voyez, des spécificités très particulières. Alors, je pense qu'on va maintenant aborder le cœur de... quel est le résultat, finalement, de cette réflexion, des agrégats que nos collègues nous ont fournis, et on a essayé d'apporter un lien entre tout ça. Mais on ne peut pas comprendre le concept de démocratie technique si on n'a pas un regard historique. Parce que ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Elle est aujourd'hui profondément d'actualité, comme l'a souligné Moïse tout à l'heure. Mais en même temps, c'est une question qui s'enracine profondément dans l'histoire. Voilà. Et je laisse le soin à Yves de dévoiler. Alors, tout ça. Voilà, on sent qu'on passe la parole à Yves en tant qu'historien. Avant qu'il prenne la parole, ce que je voulais préciser, réajouter, c'est vrai que dans ce livre, il y a plusieurs contributions et c'est vraiment un regard pluridisciplinaire et c'est très dense et justement c'est très riche parce qu'il y a plusieurs regards. Alors on va déjà entendre l'historien. Merci beaucoup. C'est très riche, c'est très diversifié et en même temps, ça n'est qu'une étape. Nous ne pensons pas avoir tout dit sur le sujet. Nous ouvrons un certain nombre de problématiques, nous apportons quelques éléments de réponse, d'où le titre, éléments, ça ne se prétend pas pour une synthèse.
et en souhaitant que ça génère une réflexion globale beaucoup plus fournie ensuite. Alors, cela étant précisé, démocratie technique, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour le situer, je crois qu'il faut d'abord un petit mot, une petite réflexion sur ce qu'est la technique. On imagine souvent la technique comme une boîte noire, une affaire de spécialistes. Or, il importe tout de même de rappeler que la technique, c'est certainement la chose du monde la plus partagée. Toute activité humaine est technique. Je veux dire que quand on marche, on le sait peut-être plus, parce qu'on a appris un jour à marcher, on emploie une certaine technique pour tenir debout et pour avancer. Quand on lit, quand on écrit, quand on fait quoi que ce soit dans la vie, on use d'un certain nombre de techniques. Donc, lorsqu'on parle de démocratie technique, il ne va pas s'agir, selon nous, d'aller réglementer toutes ces activités. Ça serait impossible, mais ça serait en plus totalitaire de vouloir réglementer absolument toutes les activités humaines si l'on part de l'idée que toute activité est technique. En revanche, on sait que à partir de... disons que, pour donner un exemple, on voit un pêcheur à la ligne qui va pêcher. On ne va pas réglementer son activité technique. D'ailleurs, elle l'est déjà. Et si je réfléchis bien, elle est certainement proportionnellement beaucoup plus réglementée que celle de la pêche hauturière, la pêche industrielle dans la haute mer, qui est beaucoup plus libéralisée, si l'on peut dire, que celle du pêcheur à la ligne. Donc la question ne se pose pas pour cette foule d'activités qui concernent l'ensemble des humains. En revanche, on le sait bien, on le voit bien, on le vit, il y a un certain nombre d'activités qui se sont déroulées dans des cadres techniques extrêmement sophistiqués, extrêmement centralisés, et travail en usine, travail dans les bureaux, travail dans toutes sortes de conditions, et il s'agit là de systèmes techniques qui sont rarement soumis à délibération, alors qu'ils devraient l'être, ceci pour le domaine du travail. Mais si on regarde cette fois-ci, en plus, la question des usages, nous avons recours en tant qu'usagers quotidiennement à des systèmes techniques qui se sont de plus en plus centralisés et pour lesquels les règles posées, les règles de fonctionnement échappent pour beaucoup aux utilisateurs. On parle souvent en ce moment de Google et de l'empire qu'il a pu acquérir sur ses propres utilisateurs, utilisant leurs données ou leur dictant un certain nombre de pratiques. Je pense que dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans l'hypothèse du pêcheur à la ligne. Il s'agit bien d'imaginer un certain nombre de règles ou de contrôles qui représentent une possibilité d'intervention démocratique vis-à-vis de ces grands systèmes techniques qui sont devenus des grands pouvoirs techniques, des grands pouvoirs sur les usagers. Donc c'est de ceci que nous parlons. Mais si je reviens sur mon exemple des techniques en usage dans le travail industriel par exemple, si on regarde les choses ainsi, on se trouve tout de suite, dès qu'on prononce le mot démocratie technique, on se trouve face à des interdits ou même à un mode de pensée généralisé qui voudrait qu'il n'est pas possible, il n'est pas souhaitable et pas possible d'intervenir sur le plan des grands choix techniques. C'est une idée extrêmement répandue, extrêmement banale et qui pourtant n'a pas toujours été ainsi. C'est une idée qui a été créée et imposée progressivement dans l'opinion depuis en gros 2 siècles et demi. Tout à l'heure, Moïse citait l'exemple de cette maxime qui est plus qu'une maxime. C'était le slogan de l'exposition universelle de 1933 à Chicago. Je la redis, cette maxime, parce que je la trouve incroyablement totalitaire. C'est la science trouve, l'industrie applique, l'homme s'adapte. L'homme s'adapte. On est à l'antithèse de quelque chose de démocratique. Cette exposition universelle de 1933 présentait toute activité industrielle comme quelque chose à laquelle on doit obéir sans avoir la possibilité du moindre avis. Et cette manière de penser, dite d'une manière aussi ramassée,
est, j'allais dire, le cœur de la pensée libérale. Il faut remonter aux penseurs du milieu XVIIIe siècle, à Dupont de Nemours, par exemple, un des grands penseurs de la physiocratie en France, et qui expliquait, je le cite, qui expliquait par exemple que seul le propriétaire foncier, à l'époque l'industrie n'était encore peu développée, que seul le propriétaire foncier en l'occurrence était apte à décider. Je cite par exemple, seuls ils en ont le droit, le devoir, le pouvoir et peuvent en avoir l'intelligence. Donc ça veut dire que cette idée qu'on trouve dans l'exposition universelle de 1933, c'est une idée déjà bien ancrée depuis 2 siècles et demi. Il y aurait d'un côté les propriétaires et les experts qui peuvent définir comment on doit travailler ou comment on doit utiliser les techniques, et la masse du reste de la population qui doit faire ou s'exécuter ou utiliser dans les conditions qu'on lui impose. Et donc cette idée là n'est pas une idée vraie, éternelle, etc. C'est une idée qui a été progressivement imposée, qui irrigue l'ensemble des opinions. Et c'est cette idée-là sur laquelle nous souhaitons voir l'opinion revenir. Et à partir de quand quelque chose de démocratique est intervenu? Quand c'est qu'on a arraché des changements? Comment ça s'est passé dans l'histoire? On parle de l'exposition universelle, mais après, donc c'est après. On est dans le 20e siècle. C'est même avant déjà. Déjà donc, avant Disons que la question s'est posée, je ne vais pas brasser toutes les circonstances, mais je voudrais donner quelques exemples. Disons que la genèse, on va distinguer deux choses. La démocratie, c'est une idée qui nous semble ancienne. La démocratie remonte au XVIIIe siècle, la démocratie politique, la démocratie sociale arrive un peu plus tard, la démocratie économique encore plus tard. Mais la question de démocratie technique est venue par à-coup au cours d'un certain nombre de circonstances. Je ne vais pas les citer toutes, on pourrait évoquer la révolution de 1848, celle de 1871, mais on pourrait commencer quand même déjà il y a un siècle. Je vais citer 4 ou 5 grandes étapes par rapport à cette idée d'une sorte de despotisme technique. On a vu se développer dans la France fin 19e, autour des années 1900, des coopératives qui visaient à prendre en main des activités de production, des activités de consommation. On a même vu dans certains cas, et je pense à un exemple proche, dans le sud du Jura, on a ce qu'on a appelé l'école de Saint-Claude, qui envisageait une sorte de république fondée sur des coopératives. C'est-à-dire que dans le bassin sud-jurassien, les usines étaient des coopératives de production, les commerces étaient pour l'essentiel des coopératives, il y avait aussi des mutuelles, de la santé mutualiste, etc. Et leur idée, c'était, on va fonder une république qui sera capable, si on le généralise dans toute la France, d'avoir en main l'ensemble des activités importantes, y compris donc l'ensemble de la technique. C'était dans le domaine de la piperie et de la taille du diamant, notamment. D'autres exemples, outre les révolutions des années 1917-19, outre le Front populaire qui ont posé ce genre de questions, je voudrais évoquer l'après-Seconde Guerre mondiale, avec les grandes réformes qui ont été faites à ce moment-là, et notamment les comités d'entreprise. Les comités d'entreprise ont un statut qui est toujours en vigueur, plus ou moins appliqué, un statut dont un article dit explicitement ceci: le conseil d'établissement, le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. On est bien déjà dans un embryon de démocratie technique concernant le travail. On pourrait évoquer aussi, et on devrait, 1968, et ces 13 millions de grévistes pendant 2 semaines, qui ne pas seulement croisaient les bras, mais qui ont beaucoup réfléchi sur la réorganisation du travail. Ça a été, à mon avis, le grand tournant de notre histoire contemporaine, qui a généré 2 réponses. La réponse du côté des entreprises, qui était les boîtes à idées, les systèmes participatifs, et du côté du pouvoir politique, avec Charles de Gaulle, l'idée de ce qu'il a lui-même appelé la participation. C'est-à-dire qu'après 68, on a un mouvement qui va amener à ce qu'on appellera 20 ans plus tard la démocratie participative.
On peut évoquer aussi des mouvements de ce type après 1981, je ne le ferai pas, mais évoquer aussi tout ce qui s'est dessiné autour de 1999-2000 avec un renouveau du mouvement coopératif, ce qu'on appelle l'économie maintenant, l'économie sociale et solidaire, qui représente tout de même 10% des salariés en France, ça n'est pas négligeable, et d'autre part, des organes consultatifs dans les grandes agglomérations, comme ce qu'on appelle les CODEV, enfin ça Pierre est mieux placé que moi pour en parler, c'est-à-dire des comités de consultation organisés autour des métropoles pour consulter les citoyens sur un certain nombre de projets. Donc il y a des projets, y compris dans leur dimension technique. Donc si vous voulez, on a un peu par quelques grandes étapes dans notre histoire des mouvements qui sont allés dans ce sens, des mesures, des pratiques qui ont été adoptées, qui représentent, disons, un embryon de ce qu'on pourrait imaginer à l'échelle du pays et d'autres pays. Il y en a dans d'autres pays, mais on en parlera peut-être plus tard. Oui, simplement pour compléter ce que voulait dire Yves, on n'est pas dans l'idéologie. On aurait pu parler de socialisme libertaire, Proudhon, imaginant un système par le bas, et une démocratie que se construisant pas à pas et remontant sur des décisions collégiales. On n'est pas dans l'idéologie. Ce que Yves vient de vous dire, c'est on va dire, des expériences qui ont été éphémères, qui ont débouché ou pas, et qui ont débouché sur des avancées sociales. Là, on est, encore une fois, j'insiste, sur dans la réalité du terrain. C'est-à-dire que notre regard n'est pas conceptuel, idéologique. Il est sur que se passe-t-il vraiment dans le monde du travail. Voilà quelque chose d'important qui est à prendre en compte. Simplement pour lancer un peu le débat par rapport au monde du travail, je vais te redonner la parole, Yves, mais aujourd'hui, par exemple, un de nos auteurs constate que la participation des entreprises, elle est bridée par la législation. Et quand on parle de participation à l'entreprise, c'est peut-être pour davantage convaincre au changement, donc faire adhérer, on va dire, l'ensemble du personnel à un autre paradigme de fonctionnement, à d'autres méthodologies, plutôt que de véritablement prendre en compte la véritable aspiration des gens qui travaillent. De même, à l'opposé, les syndicats, on sait très bien qu'ils ont peur ou qu'ils craignent, on va dire, la démocratie directe, c'est-à-dire une démocratie qui s'exprime de manière foisonnante, qui ne canalise pas ses aspirations sur des points précis à gagner et comment les gagner. Donc, on sent là qu'il y a des volontés d'expression, mais que cette expression, elle est bridée, elle est cantonnée, soit à l'instigation des employeurs, soit à l'instigation des syndicats, mais quelque part, il n'y a pas encore, constate Martine Legris, de véritable démocratie au sein du monde du travail. Et pour le citoyen aussi, on va en parler dans les grands, par rapport aux grands réseaux, je pense aussi technique, non ? Il y a des consultations parfois, mais est-ce que c'est vraiment de la démocratie peut-être pour les réseaux. Alors, sur les grands réseaux techniques, quand on parle de grands réseaux techniques, on entend quoi ? Aujourd'hui, on entend Internet, on entend la toile, on entend tel mode de communication. Mais en réalité, les grands réseaux techniques, ils ont existé dès la fin du 18e siècle. Quand on parlait des canaux en France, la batellerie était un moyen technique de commercer. Il y avait là une technique du commerce à travers ces grands canaux. Les arbitrages, pourquoi faire passer tel canal par tel endroit ? De même, en la loi de 1942, quand l'État prend le réseau ferré en étoile qu'on connaît actuellement, et qui est une décision technique très forte de jacobinisme du territoire qui veut que tout passe par Paris. Aujourd'hui, on sait très bien qu'aller de Bordeaux à Lyon, on est héritier des difficultés, on doit passer par Paris. Donc voilà un grand réseau technique. De même le télégraphe, le télégraphe de Chappe qui était un télégraphe optique. Alors a-t-on discuté de ces grands réseaux techniques ? Eh bien oui, il y avait des discussions, sauf que ces discussions étaient aux mains, et non pas comme le disait Yves tout à l'heure, de tout un chacun, mais aux mains de ceux qui possédaient la manière de pouvoir faire du lobbying
Lubin, déjà ce mot qui est un anachronisme, hein, bien évidemment, mais faire, on va dire, faire passer ses idées, c'était aux chambres du Parlement, eh bien, il y avait des réseaux qui s'installaient pour que tel territoire puisse bénéficier soit du réseau de canaux, soit de la ligne de chemin de fer, soit de la ligne télégraphique, et plus tard des ondes hertziennes, etc. Donc, effectivement, il y a eu des. Mais est-ce que c'était démocratique au sens plein du terme? Non, c'était une démocratie qui s'exprimait, mais ceux qui étaient en capacité de s'exprimer. Voilà pour répondre à la question. Et les débats existaient bien, les controverses existaient bien, hein, mais elles n'étaient pas, comme on l'entend aujourd'hui, aux mains de tous les citoyens. Parler de citoyenneté, qui était citoyen finalement au 19e siècle? Ce n'était pas la même forme de citoyenneté. Yves, tu veux compléter? Oui, juste sur un point, en ce qui concerne les réseaux de type téléphone, électricité, chemin de fer, les consultations les plus suivies étaient les consultations des communes auprès des propriétaires pour déterminer les lieux, les conditions dans lesquelles les réseaux passeraient ou empiéteraient sur leurs propriétés. La démocratie dont nous parlons aujourd'hui, ce serait une démocratie qui concernerait l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire le devenir de nos industries, le devenir d'un certain nombre de techniques employées dans la société, quelque chose qui doit concerner l'ensemble des citoyens. C'est donc une différence profonde. Il y en a d'autres, mais on aura l'occasion d'en parler, je pense. Alors, on peut peut-être sauter les années et dire comment aujourd'hui ça s'introduit dans notre société, quels moyens on a, qu'est-ce qui se met en place, quel type de consultation, est-ce qu'elles sont réellement démocratiques, avant de parler aussi de la toile, du numérique, etc. Enfin, je vous laisse répondre dans le domaine qui vous paraît le plus parlant. Je voudrais déjà, si on imagine une démocratie qui concerne l'ensemble des citoyens, comme je viens de le dire, et qui puisse s'appliquer au travail, à la question du travail, et notamment du travail productif dans les entreprises industrielles. Lorsqu'on pose la question ainsi, on remarque chez nos interlocuteurs un masque, c'est-à-dire la perplexité, l'incompréhension, parce que c'est là qu'on retrouve cette manière de penser dominante depuis deux siècles, je disais tout à l'heure, c'est l'idée que non, il n'y a pas d'alternative. Les décisions techniques seraient obligatoirement des décisions, comme disait Dupont de Nemours, des lois de la nature qui s'imposent d'elles-mêmes, ou seraient des décisions parfaitement rationnelles parce qu'elles ont été décidées par des experts. Donc, en général, on résume ceci en nous disant il n'y a pas de choix. Mais si on prend l'exemple, on est ici à Belfort-Montbéliard, si on prend l'exemple de l'industrie automobile, en schématisant bien sûr, hein, je vais même caricaturer, si on regarde tout le schéma qui arrive à la production d'une automobile, il y a un certain nombre de choix qui sont faits. Ça n'est pas un processus inéluctable qui fait que la voiture qui sort était la voiture idéale, hein. Rêvée quelque part... est parfaitement adapté à tous les utilisateurs. Il y a une série de choix, je vais passer sur les détails, mais disons que vous avez au départ, un processus de conception d'un véhicule peut prendre 5 à 10 ans, hein, si on regarde toutes les étapes. Je ne parle pas que de la conception matérielle, mais déjà de dire, nous allons construire un nouveau véhicule. Ça signifie qu'on va déjà déterminer quel créneau on vise. L'entreprise va viser un créneau déterminé. Bon, parmi les cahiers de charges fonctionnels les plus connus, vous en avez un qui est souvent utilisé dans les lycées techniques ou les écoles d'ingénieurs, c'est le cahier des charges de la 2 chevaux, hein, avant-guerre. Et il y avait un créneau bien déterminé qui était visé, les populations rurales, y compris les femmes, précisait le cahier des charges fonctionnels, pour un modèle passe-partout, pouvant passer dans les petits chemins de la France encore très rurale à ce moment-là, et un modèle sans luxe. Les voitures à cette époque-là étaient encore des voitures plutôt de luxe. Donc là, l'entreprise Citroën détermine un créneau nouveau à explorer, et en fonction de ça, détermine un certain nombre de principes pour le modèle qui pourrait convenir à ce public-là. C'est donc ça, ce qu'on appelle le cahier des charges fonctionnelles. Il va définir un certain nombre de fonctions à remplir
pour trouver ce véhicule. À partir de là, le bureau d'études va travailler, il va travailler plusieurs mois ou plusieurs années et proposer plusieurs solutions. Donc, qui dit plusieurs solutions, dit autre choix. Ce n'est pas seulement le choix du créneau, c'est d'autres choix à faire. À ce moment-là, la direction du groupe Citroën à l'époque, si je reviens à la deux chevaux, va choisir un modèle parmi les différents modèles qui lui sont proposés par son bureau d'études. Il va donc lancer la fabrication d'un prototype. Jusque-là, le modèle n'existait que sur le papier. La construction du prototype va prendre plusieurs mois encore. Le prototype est retenu. À ce moment-là, la direction de l'entreprise le fait fabriquer. Ça a été le cas pour la deux chevaux Citroën, ou ne le fait pas fabriquer. Parce qu'entre-temps, les conditions ont pu changer, ou sa situation financière. Donc, il y a un choix qui est fait. Si le choix est fait de fabriquer ce véhicule, ça marche ou ça ne marche pas. C'est-à-dire que le public aussi fait un choix. Dans le cas de la deux chevaux, c'est plutôt une étude de marché. Oui, mais l'étude de marché... Plutôt qu'une consultation démocratique. Tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans... je décris le système actuel. Voilà. Donc, le public marche ou ne marche pas. Il adhère ou il ne l'adhère pas. Pour la deux chevaux, ça a marché. Pour d'autres cas, on sait bien que ça n'a pas marché. Donc, je dis ceci pour dire que dans le processus actuel de choix industriel, il y a bien un certain nombre de moments de choix qui sont faits, qui pour le moment sont faits uniquement par l'entreprise. Donc ce qui veut dire que quand on déplore aujourd'hui qu'il y a trop de gaz toxiques qui sont rejetés par les véhicules, trop ceci ou cela, au lieu de culpabiliser l'utilisateur, peut-être qu'on devrait remonter la question au niveau de la conception des futurs véhicules. Et que là, ça pourrait être un débat démocratique qui intervienne sur les choix techniques à venir, sans se dire que les choix faits sont forcément des choix rationnels. C'est ça que c'est l'exemple que je voulais utiliser pour illustrer ce propos. C'est possible. C'est possible. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça avance dans ce sens-là? Dans les grandes industries, on a des exemples. Tout à l'heure, on parlait des économies, enfin des sociétés un peu alternatives, d'économie alternative, des scopes, etc. On peut imaginer. Mais est-ce que dans la grande industrie, les choses ont bougé récemment? Est-ce que par rapport à ces choix de société, de quel objet on construit pour quelle société, pour quel usage, pour quelle obsolescence ou pas, pour un avenir durable, dans quel environnement est-ce que ça change dans les grandes industries actuellement? Disons que pour le moment, ça change, me semble-t-il, ça change davantage dans l'opinion que dans les entreprises. Et c'est justement, à mon sens, là qu'on peut imaginer cette notion de démocratie technique, faire que l'avis de l'opinion soit davantage pris en compte, soit même décisif, dans les grands choix techniques, qu'ils soient opérés dans le public ou dans le privé, parce que le privé est tout de même assujetti à des lois, logiquement, et on peut imaginer que ces lois incluent des règles et des principes qui aillent dans le sens d'une durabilité plus grande des produits, d'une moindre pollution, etc., etc. Tu as peut-être d'autres... Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Des forums, des consultations? Oui, alors, il y a justement, au niveau la manière d'animer de la démocratie technique, on pensait qu'effectivement, les forums hybrides pouvaient être une solution. On s'aperçoit aujourd'hui que les forums sont le lieu d'affrontement systématique des experts qui feront l'apologie de telle technique, et puis les anti qui seront forcément, qui montreront toute la perversion de tel choix technologique. On voit bien que dans le nucléaire, par exemple, le monde est binaire. Est-ce qu'il y a vraiment un dialogue? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les forums démocratiques ou de démocratie dite hybride, on voit bien là qu'il y a cristallisation des oppositions plus que dialogue et plus que, on va dire, co-construction du choix à venir. Donc c'est pas quelque chose de satisfaisant. Comment ? Voilà, il y a des limites quelque part dans ce processus-là. Où est la place du débat serein, sans passion sur le nucléaire ? J'en vois pas. Je veux dire, il y a forcément des prises de position
de type industriel pour le nucléaire, parce qu'il y a moins de CO2, etc. Donc on va mettre en avant toutes les avantages de l'électricité nucléaire moins chère par rapport à l'Allemagne, etc. Et puis de l'autre, eh bien, il y a le principe de précaution, les farouches opposants, Fessenheim sur une faille sismique, etc. Et on voit bien que là, on va se renvoyer des arguments de manière frontale sans véritablement entrer dans un dialogue démocratique. Alors, pardon. Oui. Si, je voudrais ajouter quelque chose, mais je ne sais pas, peut-être c'est prématuré par rapport à notre débat. Par rapport à ce que vient de dire Pierre, il y a un point qui me semble extrêmement important, qui est la formation. Je lui laisserai développer toute une série d'autres aspects, et je voudrais le prendre très tôt dans les âges. C'est-à-dire que cet apprentissage de la démocratie technique, c'est-à-dire à la fois d'être capable de s'opposer à des choses qui existent et d'être capable d'en proposer d'autres, ça s'apprend aussi. Et je vais prendre l'histoire, là on va revenir tout à fait à notre spécialité ici, qui est la technologie. Je voudrais dire qu'il y a quelque chose qui me semble important. Dans ce qu'on appelle technologie actuellement dans les collèges, c'est vraiment l'habit du pauvre. On apprend au mieux. On apprend à faire des choses. Ce qui me semble déterminant à apprendre, c'est depuis la maternelle jusqu'à l'université incluse, et aux écoles d'ingénieurs aussi, ne les oublions pas, c'est d'apprendre à concevoir et de réaliser ensuite ce qu'on vient de concevoir. C'est-à-dire apprendre chacun à faire l'ensemble de la démarche qui consiste à imaginer autre chose et à le faire. Parce que dans notre système d'enseignement, je ne dis pas que c'est lui qui est porteur de tous les maux, je ne vais pas non plus tomber dans ce travers, mais nous apprenons simplement à regarder les choses telles qu'elles existent. Nous n'apprenons pas à les transformer. Or, je suis persuadé, et je l'ai pratiqué avec des étudiants et avec des plus jeunes, pas encore étudiants, leur apprendre à observer un objet qui existe et à se dire, mais tiens, pour tel public déterminé, nous pourrions le faire autrement. Et donc à proposer à ce moment-là des solutions, à faire eux-mêmes en quelque sorte leur cahier des charges fonctionnelles, même si ce sont des enfants de 10 ans ou de 15 ans. Des enfants de 10 ou 15 ans sont très bien capables de dire à propos d'un objet qu'ils connaissent bien, j'aimerais qu'il soit comme ceci ou comme ça, et à définir à leur manière ce qui correspondrait à un cahier des charges fonctionnelles de l'industrie. Et après, à faire avec un peu d'aide, des petites maquettes représentant ce qu'ils voudraient qu'il soit. Eh bien, je pense que si on développait ce type d'esprit et de méthode dès les petites classes, et ensuite à tous les niveaux, on arriverait certainement à des dialogues beaucoup plus constructifs dans les grands débats d'avenir que nous évoquons ici. J'ai pris la chose de la question de l'enseignement beaucoup plus tôt que ce que tu envisageais, mais je crois que c'est utile de le voir aussi ainsi. Alors, il y a quand même un mouvement dont on entend beaucoup parler, le do it yourself, c'est-à-dire on fait par soi-même. Et actuellement, c'est vrai qu'avec tout ce qui arrive comme possibilité, parlons dans la sphère du numérique et de l'impression 3D, les Fab Labs, il y a quelque chose qui est un peu enivrant parfois ou séduisant, mais en même temps qui ouvre beaucoup de perspectives assez sérieuses aussi de changer les choses dans la technologie et dans de la création d'objets. Est-ce que c'est un peu, j'entendais l'enfant qui construit, qui va jusqu'au bout, et c'est vrai que maintenant c'est le monde des adultes, des amateurs, mais aussi des fois des experts, qui ont des nouveaux outils à leur disposition, et voilà, qu'est-ce que ça va changer dans notre société, est-ce que ça va faire que, puisqu'on l'empoigne nous-mêmes cette création, est-ce que c'est un peu plus démocratique, parce que c'est nous qui, ça va changer sûrement les choses, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense qu'on pourrait vous faire une réponse en deux temps. Je vais juste te dire une chose. L'idée de faites-le vous-même, c'est une idée qui a connu une grande vogue aux États-Unis dans les années 1920, donc il y a pratiquement un siècle. Et assez rapidement, cette voie d'expérimentation a fait le succès des grands fabricants de matériaux, d'équipements de la maison et d'autres choses. Donc je me dis, c'est une issue, mais ça ne suffit pas.
Et il y a d'autres préoccupations qui ont été évoquées lors de notre colloque, et je vais passer la parole à Pierre. Alors, sur l'imprimante 3D, on peut penser qu'on est vraiment là, au cœur d'une démocratie technique, puisque tout un chacun pourrait créer les objets qui lui convient, pour lui-même, etc. Et effectivement, la communauté des Fab Labs, etc., c'est une communauté ouverte, d'échange, de dialogue, militante, hein, puisque le monde des makers, c'est celui qui produisent, est quelque chose qui, véritablement, est en passe de séduire. Pour autant, est-ce que ces modes en impression 3D ne sont pas quelque part aliénés par rapport à notre propre liberté de produire ces technologies? Elles sont aux mains de gens bien particuliers ou de sociétés bien particulières. Elles nous laissent la capacité effectivement de répondre à notre propre créativité et de répondre à une individualité, aux individus. Hein, j'ai besoin de telle pièce, donc je vais me la fabriquer. Tout ça, effectivement, paraît idéal. Sauf que cette technologie peut nous entraîner, et on a commencé à le voir, la fabrication des armes individuelles, qui marche d'ailleurs et qui peut entraîner des effets pervers. Donc, je veux dire, on se heurte tout de suite à est-ce qu'on peut créer n'importe comment, n'importe quoi, à des fins, à des pires fins. Et où est la limite créative? Est-ce qu'on doit là imposer, la législation revient en force, le droit revient en force? Est-ce qu'on doit réglementer cette capacité à créer, etc., etc. Se pose la question également du heurt par rapport à toutes les professions. Est-ce que, par exemple, quand on crée un objet de manière individuelle, est-ce que on va répondre à des besoins sociétaux globaux? Puisque, est-ce que ce n'est pas finalement un repli sur soi que de répondre à ses propres besoins plutôt qu'à répondre à des questions d'ordre collectif? Erwin van den Hoven posait la question des designers. Est-ce que le fait d'avoir la possibilité de créer chez soi des choses laides, finalement c'est très satisfaisant parce que tout ce qu'on crée on le trouve beau quelque part, hein, mais si on veut aller créer, si on veut une création qui réponde à plus de collectifs, est-ce que là, véritablement, on ne va pas entrer en conflit avec des gens dont la profession, c'est justement de réfléchir au design d'une société qui aspire à tel objet, à telle forme, etc. Voilà, c'est des questions. Alors, on n'a pas la prétention d'y répondre. On a la prétention de dire que, finalement, le monde de l'imprimante 3D, qui au départ paraît idéal ou idéalisé, eh bien, il y a des limites. Il y a des limites à laquelle il faut qu'on réfléchisse. Alors, c'est une technologie tout à fait nouvelle. Donc, le regard critique avance en même temps que cette technologie évolue, mais il ne faut pas l'idéaliser. Voilà. Monsieur Lamarre, les pionniers qui se sont saisis du concept de démocratie technique, c'est Calon, Lascombe et Barthes. Ils ont analysé les formes qui existent aujourd'hui, voire les formes potentiellement à créer, mais ils ont souligné leurs limites, notamment ce qui concerne la sanctuarisation ou le cloisonnement de la sphère des chercheurs, des technoscientifiques, tout simplement, et la sphère des profanes. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'accès à l'information, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'utopie d'une démocratie technique, on peut supposer que le profane peut accéder à l'information, la comprendre et l'assimiler? Alors, par rapport à la formation, je voudrais qu'on revienne
de manière plus importante sur la formation, notamment la formation des ingénieurs, hein, puisque les ingénieurs, finalement, sont un peu les maîtres des systèmes techniques, puisqu'ils les créent. Mais ont-ils vraiment conscience de cette prérogative? Donc ça, c'est une question sur laquelle j'aimerais qu'on revienne dans, tout à l'heure. Par rapport à la question des scientifiques, de ceux dits des experts, et aussi d'une technocratie quelque part, hein, je ne parle pas de technologie, mais de technocratie. Je vais même, alors je répondrai pas à la question, mais je vais même l'amplifier cette question. Aujourd'hui, on parle de supercalculateurs, de métadonnées. On parle de métadonnées, on parle de supercalculateurs, donc on a besoin de milliers de données, on les traite de manière informatique, et puis on va en déduire des normes. Hein, on va en déduire. Mais, je veux dire, justement, la manière de construire ces métadonnées, c'est pas du tout démocratique, là, parce que la manière de construire son corpus de données va déjà orienter les résultats. Et voilà une question. Je ne peux pas répondre à cette question, mais je me dis qu'elle se pose de plus en plus avec l'acuité. Comment accéder aux données? Et aujourd'hui, la question qui est derrière cela, c'est le numérique. Finalement, cette technocratie et ces industriels qui s'appellent Microsoft, Google et tout ce que vous voulez, eh bien, est-ce que ce sont... effectivement, sous l'apparence de donner la liberté d'avoir des données, la liberté d'aller consulter, etc., est-ce qu'elle n'est pas déjà construite de manière très orientée? Voilà, et on sait bien que si. Donc, voilà, la question, elle se pose encore aujourd'hui, plus d'acuité. Est-ce qu'aujourd'hui, le scientifique est tout simplement prêt à descendre sur l'arène démocratique et partager son savoir? Alors, je pense que les scientifiques, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience dès les années 70, justement, du partage du savoir. Hein, le premier moratoire qui a été signé sur l'ingénierie génétique, par exemple, où on va commencer à... Les scientifiques vont commencer à réfléchir sur les effets de la connaissance et sur l'application qu'on peut en faire dans le domaine de tous les jours. Donc, il y a une prise de conscience réelle, que ce savoir soit transparent, mais la construction de ce savoir lui-même, il nous échappe un peu. Hein, il nous échappe. Même s'il y a des scientifiques capables d'alerter, on dit aujourd'hui lanceurs d'alerte, alors dans d'autres domaines, mais sur des effets pervers de telle ou telle technologie, ça nous échappe. On parle aujourd'hui de nanotechnologie. Alors, il y a eu des débats sur les nanotechnologies. C'est peut-être là où il y a eu le... Pascal, d'ailleurs, t'as organisé un débat sur les nanotechnologies. Hein, je me souviens de ça. Et aujourd'hui, est-ce que les nanotechnologies échappent pas, quelque part, hein, à leurs concepteurs, par les effets que cela induit, hein, par ces machines qui vont... des constructions de machines qui vont aller jusque dans nos propres corps modifier notre biologie. Donc voilà, c'est toutes des questions qui sont posées. C'est très difficile, mais on ne peut pas ne pas s'interroger sur cette grande question-là. Voilà. Alors comment faire, on va avancer un peu et pour après aussi échanger avec les gens qui sont là, peut-être parler de la formation, comment, puisqu'on est dans une université, comment on va faire que on puisse empoigner un peu plus toutes ces questions. Moi, je voulais juste ajouter une toute petite parenthèse par rapport à la question d'avant. Je pense quand même que quand la question n'est pas la même dans le domaine scientifique et dans le domaine technique. Je crois qu'on accuse un peu trop facilement les scientifiques d'être des monopolisateurs de connaissances, alors que la plupart des scientifiques que je connais sont plutôt des gens qui cherchent à partager leurs connaissances, en tout cas si j'en juge parmi les historiens, c'est le cas, et parmi un certain nombre d'autres. Il me semble que la situation n'est pas parallèle à celle qu'on trouve dans les techniques, et notamment sur le plan industriel. C'était juste... une petite nuance que je voudrais apporter. En ce qui concerne la formation, je crois que je vais repasser la parole à Pierre, et puis oui, quitte à reprendre des choses par la suite. Je pense qu'on, puis après, on échangera surtout avec les personnes qui sont là, parce que c'est vrai que le sujet est vaste, et je pense qu'on reviendra sur des aspects. La formation, je pense que si on y réfléchit, c'est quand même, en partant, j'allais dire, de la crèche
à l'ENA. Il faut raisonner globalement sur l'ensemble des systèmes de formation et pas uniquement sur tel ou tel niveau qui paraît le plus en prise directe avec les questions techniques. Je pense que dès l'enfance, il faut sensibiliser les enfants à la fois à connaître et à apprendre à transformer. Je me répète un peu, mais je crois que c'est vraiment très important et pas attendre seulement le lycée technique ou l'école d'ingénieurs pour le faire. Si on veut former des futurs citoyens capables d'intervenir sur le plan des questions techniques. Oui, parce que c'est vrai que le citoyen, quand on entend parler des rouleaux compresseurs, là, comme tu viens d'évoquer, Pierre, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Et comment on peut reprendre un petit peu la main? Alors, c'est vrai que là, dans la sphère du numérique, on sait qu'il y a des micro-groupes, des micro-politiques, des micro-groupes qui se constituent, qui essayent de faire bouger les choses, mais aussi, je pense qu'il y a d'autres solutions. Alors, sur le plan de la formation, beaucoup d'auteurs, d'ailleurs, se sont exprimés en disant « c'est par la formation ». Que va passer la vulgarisation d'une culture technologique. La vulgarisation aux sciences vulgate, c'est-à-dire tout un chacun. Hein, il n'y a pas de terme péjoratif. Vulgariser la culture, vulgariser au sens noble du terme. Vulgariser la technologie, c'est-à-dire que chacun puisse prendre conscience de ce qu'est la technologie, quelle réflexion peut y porter. Donc là, il y a une espèce de fil d'Ariane hein, sur bon monde de contributions où les gens insistent là-dessus sur la formation. Alors sur les ingénieurs, alors, les ingénieurs ont-ils conscience qu'ils sont finalement les créateurs de technologies qui auront un impact des impacts sociétaux hein? Est-ce que on en a conscience dans des écoles d'ingénieurs? Et comment on peut en prendre conscience? C'est la question. C'est la grande question. Et comment on peut prendre conscience de tout cela, sinon d'avoir un recul critique? Recul critique au sens capacité de penser une technologie, en bien ou en mal, et capable de projeter et de projeter les effets sur la société, capable de réfléchir finalement. On n'est pas dans le positivisme. Hein, on n'est pas dans du dire toute technique va générer du progrès. Non, les techniques génèrent aussi des effets pervers dont il faut se préoccuper. Et donc, il faut que les ingénieurs aient conscience de cela, hein, puisqu'ils sont, eux, au cœur de cette créativité technique. Pour cela, comment fait-on? Comment peut-on arriver à sensibiliser les élèves ingénieurs? Eh bien, c'est là que je reviens sur les universités de technologie. Elles ont au moins un avantage sur les autres écoles d'ingénieurs ou sur certaines écoles d'ingénieurs, c'est qu'elles ont la prétention. Alors, est-ce que là, derrière l'efficience est réelle des modes d'enseignement, elles ont la prétention d'essayer d'outiller au sens conceptuel et d'outiller le diplômé UT de ses capacités réflexives par rapport aux impacts sociétaux, à ce recul critique, d'avoir un appareil critique capable d'aller imaginer que les technologies qu'ils sont amenés à concevoir se fassent, encore une fois, en co-construction avec ce qu'aspirent les usagers. Hein, et non pas. Faut pas concevoir un ingénieur, au sens concevoir, former un ingénieur, en disant je vais essayer de concevoir une technique et qu'elle soit bien reçue, la réceptivité sociale. Non, on ne doit pas former des ingénieurs pour que la société reçoive bien leur technique. On doit former des ingénieurs à ce qu'ils co-construisent, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les aspirations sociétales, non pas qu'ils plaquent des techniques et pour essayer de les faire accepter socialement. C'est pas le rôle au départ. Hein, je pense que c'est très important de comprendre cet aspect-là des choses. Alors, comment bien former un élève ingénieur? Si on regarde bien les sciences humaines et sociales, et là, vous voyez me venir avec, toute les motivations moi, qui m'animent d'être dans une université de technologie ont un rôle à jouer pour leur permettre d'acquérir suffisamment de recul pour penser, pour analyser, pour critiquer en bien ou en mal, tel ou tel aspect de la technique.
Et si on regarde bien, eh bien, toutes les écoles d'ingénieurs, hein, on parle d'ingénieurs citoyens, on parle d'ingénieurs, si vous regardez, si vous passez, démocrate, voilà, ingénieur démocrate, donc c'est un bon mot, et derrière ça, et voilà, c'est quoi un ingénieur démocrate? Bien, eh bien, on s'aperçoit, si on fait un petit peu le tour d'horizon des formations d'ingénieurs, que eh bien, les SHS, quelquefois, sont instrumentalisés. C'est-à-dire, il faut connaître du droit parce que le droit c'est utile pour l'ingénieur, parce que il y a la loi sur les brevets, et puis il faut savoir ce que c'est qu'un brevet par le droit. Je vois pas où est là le regard critique dans cette posture-là, quoi. Hein, c'est-à-dire, les SHS doivent être utiles. Il faut que ce soit utile. Faut que, alors donc, je vais faire une formation. J'ai besoin de droit. J'ai besoin de gestion. Ah, j'ai besoin de gestion parce que j'aurai à gérer. Donc, j'ai besoin d'outils. Non, mais il faut, je pense, sortir de cette instrumentalisation des SHS et pour essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à ces questions-là et de ne pas prendre les sciences humaines et sociales comme des instruments et des outils. Hein. C'est plus noble que ça. Plus noble que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire une capacité de recevoir des enseignements qui soient d'ailleurs faits soit par des professionnels parce qu'on a besoin aussi des réalités de terrain, soit par des enseignants-chercheurs qui apportent eh bien, un enseignement par la recherche, c'est-à-dire les dernières, renouveler les enseignements, hein, non pas une redondance de techniques, etc., mais bien de réfléchir par des enseignements appuyés sur la recherche, qui soient capables de les amener à des méthodologies. Alors, qui dit recherche, ça veut dire méthodologie de pensée, méthode de construction d'une problématique, construction d'un corpus, recul par rapport à son corpus de données. Voilà, on arrive là à des méthodes d'enseignement, on arrive là à inculquer progressivement eh bien, des méthodologies qui leur permettront eh bien, de penser par eux-mêmes. Hein, et penser par lui-même, ça ne veut pas dire forcément être en opposition avec tout ce qui se fait, hein, mais être capable de s'approprier cette méthodologie pour être un ingénieur citoyen, c'est-à-dire capable de dire voilà ce que je fais, dans quel contexte, pour répondre à telle chose, en prenant en compte tel aspect, etc., etc. Et on s'aperçoit que finalement, si on regarde, si on entre un peu dans le grain des choses sur les enseignements SHS dans les écoles d'ingénieurs, il y a très peu d'écoles d'ingénieurs qui forment par la recherche ces ingénieurs et qui prennent plutôt les sciences humaines et sociales comme des outils pour, eh bien, je dois faire un CV sans faute. Si c'est ça l'ambition des sciences humaines et sociales, elle est malheureusement, je veux dire, bien pâle, hein, par rapport à ce qu'on peut apporter sur le plan de la réflexion. Voilà. C'est une pauvre ambition pour la société tout entière. Voilà. Pour répondre à votre question et à deux ou trois autres d'avant, je voudrais prendre exemple de trois des communications, puisqu'il y en a une bonne quinzaine, pour illustrer aussi notre propos global. Par exemple, celle de John Didier, qui est de la Haute École Pédagogique de Lausanne, c'est une école avec laquelle nous travaillons assez couramment, et qui a intitulé son propos « Concevoir et réaliser à l'école ». Parce que c'est un travail qu'il mène réellement, qui est exemplaire, c'est-à-dire à l'école maternelle, au niveau du collège. Il forme non seulement les élèves, mais il forme les enseignants dans cette optique « apprendre à concevoir et à réaliser », c'est-à-dire apprendre à transformer le réel que j'évoquais tout à l'heure. Et on a pas mal d'échanges sur ce plan-là. Et si je le cite, c'est pour montrer que ce sont déjà des embryons, des choses qui existent et qui ne demanderaient qu'à se développer plus largement. Ce n'est pas du tout de l'ordre de l'utopie. Un deuxième exemple, c'est celui qui est développé par Bernard de Combes de l'Académie des technologies, qui est l'ancien directeur de l'école de Cachan, de l'École nationale supérieure de Cachan, et qui développe comme idée, je résume son titre parce que c'est, à lui seul ça résume bien toute une problématique, il dit « La démocratie technique, une chance pour l'industrie et une chance pour le renouveau de la démocratie ». Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très bien abordé ici, c'est-à-dire que notre démocratie reste bornée. On reste dans une démocratie où nous sommes consultés une fois tous les 5 ans sur des problèmes qui ne sont pas toujours les problèmes essentiels.
Et aujourd'hui, les grands problèmes techniques, ceux qu'a évoqué Pierre ou ceux d'autres encore que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer ici, nous ne sommes pas consultés, il n'y a pas de réflexion publique. Il y a un véritable effort à faire sur ce plan pour étendre le champ de la démocratie, pour l'approfondir, faire que les citoyens ne soient pas seulement des gens consultés de loin en loin sur des choses plus symboliques que fondamentales et leur donner véritablement un pouvoir. Et d'autre part, une chance pour l'industrie, parce que Bernard de Combes explique que la meilleure manière d'améliorer la qualité de notre industrie, c'est aussi d'élargir le nombre de ceux qui vont pouvoir exprimer des avis, etc., etc. Quant à la troisième communication, sans dire de vouloir minimiser les autres, c'est celle d'un Américain, d'un chercheur en sciences humaines américaines, qui s'appelle Andrew Finberg, et qui développe la notion de capacité d'agir. C'est ça qui va d'ailleurs dans le même sens que Bernard de Combes. Il ne s'agit pas seulement de considérer les citoyens comme quelqu'un qui, une fois de temps en temps, délègue son pouvoir dans l'urne, mais comme un citoyen actif, pouvant agir dans les processus de décision d'une manière qui soit réellement décisive. Et je crois que c'est un peu ça, par ces voies-là, qu'on entre dans le vif de la démocratie technique dont nous parlons. Et il y en a d'autres. Alors, je pense que, je ne sais pas si vous voulez encore redévelopper une thématique, mais c'est vrai que moi, ce que j'entends là, c'est si qu'on a deux jours, oui. Non, mais on a aussi des interlocuteurs, donc c'est vrai qu'on sent qu'on ramène l'humain hein, avec cette notion de démocratie technique. On l'amène pour une destinée quand même qui est plus intéressante que uniquement du consumérisme, etc. Donc, la parole maintenant à vous. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Alors, je vous remercie. Je suis Christian Gouffaut, étudiant au département de génie informatique niveau 4. Donc, ma question porte sur une nouvelle tendance aujourd'hui du crowdfunding. Donc, est-ce que vous pensez que avec l'avènement du numérique et du crowdfunding, ce n'est pas là un élément de démocratisation technique? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un ingénieur ou un entrepreneur, je ne sais pas, a un projet qu'il veut développer, il le soumet en fait au public qui n'est pas forcément un public de sa région, qui est un public mondial. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'avec le financement de ce type de projet, là, on entre vraiment dans une démocratisation de la technique? Parce que là, le public serait en train d'accepter ou alors de cautionner un élément technique ou pas? Moi, je répondrai de manière laconique sur un point. Disons que tout ce qui peut favoriser la réalisation concrète d'initiatives innovantes me semble tout à fait positif et de nature à faire évoluer l'ensemble du dispositif industriel. Il n'en reste pas moins, et c'est mon point de vue, hein, donc ça me paraît à encourager, il n'en reste pas moins que, en tout cas de mon point de vue, la notion de démocratie technique doit concerner l'ensemble des citoyens et l'ensemble du dispositif législatif, l'ensemble du dispositif légal, la définition des lois, des normes, tout ça, qu'elles concernent l'ensemble de l'entreprise, et pas uniquement, si vous voulez, ces jeunes pousses dynamiques qu'on ne peut qu'encourager. Mais je pense qu'il faut modifier les règles du jeu global. Et de ce point de vue-là, ça se passe au niveau des citoyens. Enfin, je résume peut-être schématiquement, mais je n'oppose pas. Ce sont deux démarches complémentaires. Oui, alors simplement, moi je suis d'accord que effectivement, on va démocratiser la créativité. Sauf que quel est le critère? Si on relève des fonds, c'est parce qu'on pense que c'est efficient économiquement. C'est-à-dire que ça, quelque part, va rapporter de l'argent. Hein, c'est-à-dire que et c'est sur ce seul critère. Je suis un ingénieur génial, j'ai besoin d'argent, de fonds pour une innovation dans le domaine de l'armement parce que j'ai conçu quelque chose, donc on va penser que ça va être très efficient économiquement parce que les conflits vont le demander. Et où est la discussion justement sur l'impact de la technique, la démocratie? Donc ça a des limites parce que le seul critère du crowdfunding, c'est l'efficience économique. Et voilà.
Hein, et derrière ça, eh bien, peut-être que la proposition qui est faite, eh bien, a des limites. Je parle de l'homme la main, mais je pourrais parler d'autres procédés. Donc, voilà. Certes, effectivement, du point de vue des moyens, c'est démocratique. Mais par contre, en termes de choix techniques, c'est seule l'économie qui compte. Voilà. Je vais rebondir là-dessus, si vous permettez. Juste simplement pour dire que, bon, évidemment, vous avez peut-être raison, c'est la capacité de générer des fonds qui est mise en avant là. Mais est-ce que, pour revenir avec l'aspect législatif, est-ce que le législateur ne pourrait pas employer ce type de modèle-là pour arriver éventuellement à une démocratisation technique? Parce que qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, le modèle démocratique dans nos pays, aujourd'hui, c'est un peu avec des représentants. Donc, est-ce que vous pensez qu'il serait vraiment possible, et vous l'avez souligné avec l'exemple du nucléaire où vraiment on arrive à une crispation des débats, est-ce que vous pensez qu'il serait possible et faisable concrètement de faire intervenir chaque citoyen dans sa singularité à tout débat technique? Sachant que là, on entrerait vraiment dans un débat et ça pourrait, pour une décision urgente, on pourrait débattre longtemps. En prenant en compte l'aspect sociologique des sociétés, pour ne pas caricaturer, quand on voit à quel point les débats en France, vraiment parfois même quand le choix est évident, mais le débat il est bloqué. Donc est-ce que vous pensez que pour un choix scientifique, par exemple la construction d'une auto, où on hésite entre diesel ou essence, on pourrait passer, on va dire, on peut rester 5 ans bloqué là-dessus, entre débats d'experts, débats de profanes, débats idéologiques et tout, et là on n'avance pas. Est-ce que là la démocratisation technique ferait avancer les choses plus que cela? Enfin, moi je te laisse répondre pour la partie. Moi je ne raisonnerai pas de cette manière. Déjà, 5 ans c'est à peu près le délai minimum pour lequel il faut concevoir un modèle automobile, puisqu'on reprend cet exemple. Je ne décrète pas d'abord qu'il serait vain. Je pense qu'il peut être extrêmement, il peut faire changer profondément les choses. Certes à horizon de 5 ou 10 ans, mais les processus techniques vous ne les changerez pas d'un claquement de doigts, je veux dire, même si les conditions démocratiques dont nous parlons pouvaient être créées en 6 mois, elles ne vont pas faire sentir leur efficacité sur l'ensemble des processus techniques en 6 mois. Hein, je veux dire, ça serait versé complètement dans l'utopie que de penser cela. D'autre part, vous reprenez un exemple que je donnais sur la conception de l'automobile, mais je veux dire, il y a un autre aspect de la question, c'est je reviens sur ce que j'ai dit tout au début en une seule phrase en disant toute activité est technique. Donc si on raisonne sur les changements de la technique, il faut raisonner aussi sur l'activité. Si on veut changer la technique, il faut changer l'activité. Autrement dit, il faut changer aussi le travail, le mode de travail. Vous avez 30 millions de salariés en France. Vous croyez à peu près salariés industriels, salariés tertiaires et puis un tout petit peu agricole, si vous les consultez, vous croyez que ça va être complètement inutile sur la transformation des processus de production? Ça prendra peut-être pas 6 ans d'abord, et puis je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui pourraient être revues sur la manière dont on produit, sur les conditions dans lesquelles s'effectue ce travail productif ou le travail de conception ou le travail de formation ou ceci ou cela. Je veux dire, je ne crois pas que ça serait si vain et ça ne serait pas forcément aussi clivé que les débats dont on parle actuellement. Je ne pense pas que ça n'est pas parce que la tâche est difficile qu'il faut y renoncer d'avance. Et ça n'est pas parce qu'elle ne portera à coup sûr pas des effets dans les 3 semaines qui viennent qu'il faut renoncer à l'entreprendre. J'allais dire, à la limite, plus c'est difficile et plus c'est long, plus il faudrait commencer tôt. C'est pas, je joue pas sur les mots, mais j'essaie de vous convaincre. Et on ne peut pas le faire uniquement pour un segment d'activité. Enfin, je sais pas. Non, je... D'autres questions peut-être. Vous aussi, si vous avez une autre question, pourquoi pas. Ok, bon, la dernière, c'est sur le plan de l'entreprise. Moi, peut-être, c'est idéologique ce que je vais dire, mais Ma conception du scientifique, de l'ingénieur, c'est celui-là qui apporte des solutions à des problèmes. Donc, lorsque moi, ingénieur, je m'engage dans un projet, c'est parce que j'ai identifié un besoin. Donc,
aujourd'hui, peut-être l'industrialisation, ce n'est pas forcément pour résoudre un problème, mais quand on regarde l'évolution historique, ça a toujours été dans cette logique-là. Donc, forcément, c'est un problème qui est dans la globalité. Or, avec, c'est mon sens, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, avec la démocratisation des techniques, avec les imprimantes 3D, la possibilité à tout le monde d'avoir sa décision un peu, on va arriver vers une singularité. Du coup, aujourd'hui, lorsque on fait, je dis, des couverts, par exemple, il y a des normes, il y a des standards. S'il faut consulter la ménagère, les ménagères de toute la France, il y en a qui diraient non, moi je voudrais que ma fourchette ait les deux doigts, l'autre dirait non, il faut qu'elle en ait trois, il faut qu'elle ait un cœur dessus et tout. C'est vrai, peut-être c'est pas des aspects techniques, mais je veux dire, on aura ce genre de remontée-là. Donc comment donc satisfaire ces gens-là? Parce qu'à un moment donné, on sera toujours obligé, comme dans toute démocratie, d'aller dans la majorité. C'est vrai, on les aurait consultés, mais on ne changerait pas pour autant la façon de faire actuellement. Moi, j'aurais tendance à répondre seulement à la première partie et puis peut-être à l'autre. Je dirais que vous avez donné deux définitions de la fonction d'ingénieur. C'est celui qui apporte des solutions à des problèmes et en répondant à des besoins. Je corrigerai à peine les deux aspects de votre définition. L'ingénieur, c'est celui qui propose des réponses. Ce n'est pas celui qui, comme un despote, choisit tout seul et impose sa décision. Deuxièmement, répondre à des besoins. Ça, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. D'ailleurs, vous l'avez dit d'une autre façon dans la deuxième partie. C'est-à-dire que les besoins, on a trop tendance, je trouve, et c'est là que la réflexion en sciences humaines et sociales est si capitale, et la réflexion telle que Pierre la disait tout à l'heure, c'est-à-dire on fait vraiment un travail scientifique. La définition des besoins, je trouve, dans la plupart de notre société, et dans les écoles d'ingénieurs en général, c'est de considérer qu'il y a un certain nombre de besoins de base et qu'on les définit comme ci, comme ci, comme ça. Eh bien, je dirais non. Les besoins, ce sont les besoins tels que les populations les ressentent. Les besoins dans l'absolu, ça n'existe pas. C'est tel que les gens les ressentent, et les gens les ressentent différemment. Et je vais vous renvoyer un de nos auteurs favoris, qui n'est plus vivant, c'est André-Georges Audricourt, qui a donné cette définition de la technologie que je trouve fabuleuse, et qui est peu développée, c'est la notion de technologie culturelle. La technologie culturelle, Audricourt était un ethnologue absolument fantastique qui, quand il abordait un sujet, l'abordait à l'échelle, je ne veux pas dire de la planète, mais vraiment sur une grande partie de la planète. Et il constatait que la réponse à, soi-disant, un même besoin, elle était différente suivant un certain nombre d'aires de civilisation. Pour s'habiller, pour faire autre chose, on n'avait pas les mêmes réponses. Et donc, il entrait dans sa définition du besoin la notion de culture, c'est-à-dire la manière dont on perçoit le besoin qui définit une certaine préférence. Eh bien, je trouve que les étudiants ingénieurs et les ingénieurs en fonction devraient beaucoup plus raisonner comme cela, c'est-à-dire apprendre à analyser les besoins tels que les personnes concernées les expriment, tels qu'ils les ressentent. Et si, après tout, la réponse doit être diversifiée, parce que là, Audricourt parlait à l'échelle de la planète, mais si dans un pays la réponse doit être diversifiée, pourquoi pas? Est-ce que justement les outils techniques dont on dépose aujourd'hui, que ce soit l'imprimante 3D ou tout ce que vous voulez, est-ce qu'elles ne nous permettent pas de faire des productions elles-mêmes plus diversifiées que la grande production de masse uniforme qu'on impose ensuite à la population par la publicité, toutes sortes de conditionnements? Vous voyez, je modifie un peu votre définition du rôle de l'ingénieur. C'est d'être capable de prendre le pouls des besoins tels que les populations les expriment et de trouver des réponses, de proposer des réponses appropriées à ces demandes telles qu'elles sont ressenties. C'est plus qu'une nuance, à mon avis. Oui, et c'est extrêmement difficile. Hein, lorsque Internet a été créé, ARPANET d'abord, hein, Internet, on n'a pas pensé que la communication allait passer par Internet parce qu'on en avait besoin. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été pensé. C'est-à-dire que voilà, c'est une. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la technique a évolué d'elle-même en fonction. Oui, on peut en discuter, mais je veux dire, ton exemple, il est voilà. On n'a pas projeté. Et on avait besoin d'échanger de plus en plus, et la communication passe par Internet maintenant, alors que c'était pas pensé comme ça du tout dans les années 70. L'informatique, pas du tout. Voilà, donc c'est
Voilà, c'est difficile, c'est très difficile de se mettre de... Je voulais simplement ajouter une nuance, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est quelque chose qui va plaire aux informaticiens, c'est que Andrew Finberg, l'américain, explique que l'histoire de l'Internet n'est pas exactement ce qu'on a l'habitude de voir. Il rappelle à juste titre que l'Internet, c'est d'abord au départ un organe de communication centralisé. L'Internet est créé par l'armée américaine avec des objectifs centralisés et un mode d'organisation centralisé. Et Finberg explique qu'en fait, ce sont les usagers américains, notamment ce qu'il appelle les hackers, qui l'ont transformé en un système de liaison de pair à pair, en somme, et qui en ont fait le système décentralisé qui a beaucoup de succès planétaire maintenant. Donc, c'était pour ça que je disais, oui. C'est pas venu d'elle-même. Pour le reste, je suis d'accord avec toi. Pour les ingénieurs, pour communiquer entre eux, récupérés par l'armée américaine, ensuite mis à profusion par les premiers hackers. Donc au début, c'était quand même un outil de communication puisque, par les ingénieurs du CERN. Moi, ce que je voudrais revenir, c'est sur la technologie. La technologie, partout depuis le début de tout ce qu'on connaît de l'histoire de l'homme, la technologie a amené la puissance au peuple et la richesse. Et les peuples qui possédaient la technologie, ils avaient la puissance et la richesse sur les autres. Et aujourd'hui, on sait que la technologie est productrice de richesse, si derrière il y a l'industrie, etc. La technologie concentre la richesse. On voit Internet... Facebook, Twitter, Google, c'est les gens les plus riches, les plus puissants du monde. Google rachète tous les brevets de robotique, tous les brevets en nanosciences, rachète tous les brevets de la haute médecine, la médecine de technologique. Et donc, on s'aperçoit que la technologie... créatrice de richesse, concentre la richesse. Et si on ne change pas la règle du jeu, comme vous le disiez, la technologie est le contraire de la démocratie en concentrant la richesse. Et est-ce que ce n'est pas un leurre de croire que les Fab Labs, etc., vont amener cette démocratie si ça ne mène pas à une démocratie financière, sociale, etc. Je crois que c'est un leurre. Et on voit aujourd'hui le combat qu'on a de nos pays avec l'Asie, etc., par rapport à la technologie, c'est pour devenir les pays les plus puissants, les plus riches du monde. Il n'y a qu'un homme au monde, enfin à mon avis, qui n'utilise pas la technologie et qui utilise les anciennes méthodes pour devenir l'homme le plus riche et le plus puissant du monde, c'est Poutine. Et c'est le seul qui travaille dans une direction que le monde entier ne travaille pas. Oui, on pourrait discuter sur Poutine, mais c'est pas. Je vois les choses autrement. Et je crois que tu as raison sur la manière de faire de Poutine, sauf que derrière cela, il y a quand même la technologie d'une armée, la technologie de l'énergie, la technologie qu'il utilise à dessein pour faire pression ailleurs. Notamment, on sait très bien que si on parle de géopolitique. Hein, la technologie des oléoducs, etc., etc., c'est, voilà, il s'en sert pour... Comment ? Il nous l'apprend. Oui, 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 non, mais bon, voilà, c'est une autre manière de faire, mais je... Ouais, voilà, on ferme la parenthèse, parce qu'on pourrait... Voilà. Peut-être d'autres questions ? Alors, peut-être une dernière question, hein ? Donc, merci beaucoup pour ce débat très intéressant. Moi, j'ai juste une question par rapport au processus, justement, qui peut mener à la mise en place, justement, d'une démocratie technique. Je me réfère à cela, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, où, par exemple, on veut mettre à disposition des enseignants du numérique pour enseigner. Du coup, on va aller chercher les besoins des enseignants. On met en place tout un processus donc, pour remonter les informations
et ensuite donc on met un deuxième processus donc pour déployer les technologies ou le numérique qui va répondre à ces besoins. Le souci est que dans la mise en place de ce processus-là, par exemple, c'est tellement lent et qu'on est confronté à des freins à la fois administratifs et institutionnels qu'au moment où la réponse aux besoins arrive, elle est finalement décalée des besoins qu'on a recueillis. Du coup, ma question, c'est comment peut-on mettre un processus qui soit beaucoup plus court pour qu'on ait finalement pour qu'on puisse déployer cette démocratie. Merci. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple? Un exemple de freins. Les freins institutionnels dont j'ai parlé. Oui. Alors, par exemple, le temps de déployer sur, parce qu'on a des niveaux, on a le ministère, par exemple, qui va gérer la première enquête et que par la suite, il doit déployer des moyens. Et le temps, les différents niveaux hiérarchiques jusqu'à arriver à un établissement, par exemple, à l'UTBM, on est déjà passé par différents niveaux de déploiement. Et à ce moment-là, la procédure elle-même est très lente. Que ce soit dans la remontée des besoins ou finalement dans le déploiement même des outils. Donc dans ce cas, l'obstacle serait plutôt d'ordre institutionnel et légal. Non, c'est juste une question. L'obstacle serait plutôt institutionnel et légal. C'est, entre autres, oui. Oui, mais c'est la réalité de la société. Je veux dire, on ne peut pas la transformer aussi rapidement qu'on transforme un réseau de communication. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui fait que on n'aboutit pas à une démocratie? Je peux difficilement répondre à la question, même si j'entrevois un petit peu le problème pour y avoir travaillé. Mais ça n'est pas parce qu'on a un outil de communication extrêmement efficace qu'on doit faire abstraction des besoins et des possibilités de toutes les instances existantes en amont. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la rétention, de la bureaucratie, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi un certain nombre de problèmes réels et de besoins qui sont à satisfaire et dont on ne peut pas faire abstraction. Je crois qu'il faut... Il faut se garder de ce qui serait table rase de tout institutionnel, si vous voulez. Tout n'est pas forcément négatif dans ce qui peut retarder. Il y a aussi parfois le respect des lois, tout simplement. Est-ce qu'on doit tirer un trait sur les lois ou sur les règles, tout simplement pour aller plus vite? Je veux dire que là, à ce moment-là, on court vers d'autres risques qui seraient encore beaucoup plus grands. Enfin, je ne sais pas, ma réponse est peut-être abstraite, mais il est difficile je connais un petit peu le problème que vous soulevez, ça me paraît difficile de le régler d'une façon aussi simple que je le fais, mais ça demande un approfondissement. D'autre part, par expérience, il me semble que la question est plus profonde, c'est qu'il faut d'abord transformer le travail, comment je dirais, on ne passe pas, en ce moment, nous parlons vis-à-vis, nous sommes là en présence les uns des autres. Ça n'est pas du tout la même chose dès qu'on passe par des cours faits à distance où le public est non identifié à l'avance. Il faut à ce moment-là être capable d'imaginer des procédures pour que ce qu'on transmet soit utilisable indépendamment pour toutes les catégories possibles et imaginables du public. C'est d'autres choses que l'institutionnel. Il me semble que ça ne sert à rien d'aller plus vite si on ne peut pas véritablement toucher les publics visés. Enfin, je ne réponds sûrement pas à la question, mais elle me paraît beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait discuter ici en 3 minutes. C'est ça que je veux dire. Bon, je pense qu'on va conclure sans fermer bien sûr toutes les questions autour de ce sujet-là. Vous avez sûrement compris que dans ce livre, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de réflexion, il y a beaucoup d'interventions, d'autres éclairages disciplinaires sur cette thématique qui ont été parfois évoquées, mais parfois on n'a pas tout vu. Donc vraiment, c'est une mine de réflexion. Et puis, c'est vrai que j'entends ce que dit Zedidja par rapport à cette impatience qu'on voudrait des fois que les choses se mettent en œuvre dans les changements, dans la formation, qu'on s'approprie. Mais moi, je crois aussi que dans la lenteur...
y a aussi quelque chose. Et je trouve que c'est bien qu'on ait pris du temps cet après-midi, largement, pour déjà échanger. Voilà. Donc, je vous invite à continuer éventuellement la conversation autour d'un verre, autour des livres. Voilà. Et puis, je vous remercie de votre écoute attentive et de votre participation.